Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est au motocross de Ventabrun pour l'ouverture de la ligue de motocross de Provence. Parce que les deux premières épreuves, Goult et Châteauneuf-Martigues, ont été annulées avec les conditions météo qui, le week-end, étaient catastrophiques. Là, ça y est, on a enfin du beau temps. Voilé, tant mieux parce qu'il va faire lourd aujourd'hui. Première un peu chaleur risque d'être compliqué, donc tant mieux que ce soit un peu voilé, ça limitera un peu la chaleur. On a une piste qui a l'air bien arrosée, on a vu la première série, ils sont ressortis, c'est bien gras, mais il y a énormément de pilotes, je crois qu'on est plus de 220 pilotes aujourd'hui, donc ça risque de vite bétonner tout au long de la journée. Donc on va voir comment la piste réagit, on va voir nos sensations, là on va pas tarder à aller partir pour les essais libres. Puis après, moi je vous embarquerai avec moi pour la GoPro pour les essais chrono. Et je vous retrouve après les chronos pour faire un petit bilan avant de partir pour les manches. Salut, comme d'habitude on est là. On fait des gros suceurs ici. Abonnez-vous et après il me fait une pub. Il faut que s'abonner beaucoup parce qu'il a pas encore les YouTube money. Antonin, après son fils, il va mettre le classement et vous allez voir que je serai 5ème MX2. Alors ça va faire comme à toutes les courses, je ne sais pas si vous en rappelez l'année dernière. À chaque fois il disait qu'il allait me casser le cul, il allait faire quelque chose. Ça n'a jamais été. Et ben vous savez quoi? Je vais la mettre à Paolo aujourd'hui. Voilà, il va y mettre un classement, il va se faire chier, on va lui faire chier à faire du montage encore. Ouais. Et comme ça te fait travailler un peu, il apprend. Non, il va mettre tout le chrono et mon chrono. Non, il va mettre tout le classement. Et quand il va voir. Et comme ça on verra. Je suis même devant lui, non, je rigole, pardon. Là, on a un bas de la main, les copains. Mm-hmm.
ça y est, fin de la séance chrono. Séance chrono pas trop mal, on va dire. 8ème temps de toutes les séries open confondues. J'aurai une place correcte sur la grille et les temps sont assez serrés. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Va falloir très bien partir parce que la piste était ce matin était bien monotrace. Donc le départ va être très important. À midi ils ont tout refait. Donc je voulais vous mettre un peu des images, mais il n'y a pas eu besoin parce que tout a été refait. Donc là c'est reparti, on va voir un peu comment évolue la piste. Et puis je vous retrouve pour la première manche. Et voilà, on rentre de cette première manche, une bonne première manche, un très très bon départ. Très content de ça, j'ai réussi à bien maintenir ma place. Ça a frotté un peu dans les premiers tours, mais j'ai réussi à être costaud. J'étais 4. J'ai réussi à passer 3ème, ça n'a pas été facile, je suis resté 2-3 tours derrière. Et après j'ai porté une attaque et j'ai réussi à passer 3. Et puis après, la manche a été très longue, je manquais de rythme, j'avais mal au bras. Et j'avais plusieurs pilotes qui m'ont attaqué un à un, après ils ont chuté. Donc j'ai réussi à bien rester concentré, bien bloquer les portes, rester, pas faire d'erreur pour pas se faire doubler. Donc ça c'était super. Et je termine 3ème de cette première manche, donc top. Maintenant, 2ème manche, ce serait top de faire le même départ. Bon, pourquoi pas un peu mieux, hein, on va pas dire non. Et puis rouler vraiment décontracté, ce serait super parce que là c'était pas évident. La piste commence à être vicieuse, à la fois sèche et glissante, à la fois des bonnes ornières quand même avec du grip. Les trous commencent à être cassants, donc... au plus on a mal au bras, au plus on est tendu, au plus c'est compliqué dans les descentes de tenir son guidon. Donc bon départ, rouler décontracté, on va essayer de faire au moins le même résultat parce que devant, ça roule fort. Donc si j'arrive à refaire un top 3 de manche, ce serait super. Et puis si je peux faire mieux, on va pas hésiter à tout donner.
Et voilà, fin de deuxième manche, fin de journée. Une deuxième manche positive, une fois de plus, le all shot. Donc voilà, j'avais dit essayer de faire au moins un départ dans les trois, bah, c'est le all shot. Donc rien à dire à ce niveau-là. Et après d'être parti devant, j'étais un peu sur la défensive. J'essayais de protéger les inters pour éviter qu'on me les prenne. Du coup, les autres pilotes allaient sur les externes, pouvaient changer de trace et prenaient des traces plus rapides. Donc je me suis un peu passé, j'étais un peu dans le dur. Et après, une fois que je suis passé quatrième, là j'ai réussi pour les quatre derniers tours un peu à me relâcher. J'ai réussi un peu à essayer de m'accrocher. J'ai changé mes traces, c'était quand même plus à l'aise, j'étais plus à l'aise, donc c'était mieux. Journée positive, les chronos, bon c'est pas encore ça. Depuis le début de la saison, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais ça commence à aller un peu mieux. Et puis les manches, là mes départs, franchement, j'ai rien à me dire. Je vois deux très bons départs. Après, le roulage était régulier, mais un peu mal au bras en première, un petit mal de bras quelques tours au milieu de la deuxième. Donc c'était dur, mais je me suis accroché, j'ai bien défendu mes positions, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et ça fait que je termine 3ème de la journée en MX1 et 4ème au scratch à égalité de points avec le 3ème. Donc c'est une très bonne journée. Il y avait du beau monde aujourd'hui et je suis très content de faire ce résultat dès l'ouverture de la ligue. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer de bosser, essayer d'aller dans le mieux. Et voilà, une bonne journée qui se termine. La piste était plutôt cool. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si défoncée avec autant d'ornières. Je m'attendais plus à ce que ce soit béton, mais c'était vraiment pas mal. Un peu chaud la deuxième manche. La piste, après, il y avait beaucoup de pilotes aujourd'hui. Elle était un peu vicieuse. On alternait des bonnes lignes, un peu le dur avec des cailloux. Mais la préparation, pas grand chose à dire. C'est compliqué de faire beaucoup mieux, surtout avec le monde qu'il y a. Donc ça, c'était vraiment cool. Et un grand merci à toutes les personnes qui sont venues me voir aujourd'hui, qui m'ont encouragé, qui me soutiennent pour ces vidéos YouTube. Donc merci à tous, vous êtes géniaux, n'hésitez pas à venir me voir, ça me régale à chaque fois. Merci à tous les petits du motoclub de Volksvilleneuve qui m'ont encouragé, et merci à tous, c'est grâce à vous que je fais ces vidéos. Donc merci d'être aussi nombreux à me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi, la semaine prochaine, j'ai l'ouverture en endurance en solo. GoPro, normalement, j'aurai pas le droit, donc il y aura certainement pas de vidéo. Après, on a de l'élite et je vais vous retrouver d'ici 3 semaines à peu près pour la deuxième de la Ligue de Provence aux Adrets. J'espère que j'aurai le droit à la GoPro. Donc merci d'ailleurs aussi au motoclub qui m'a autorisé la GoPro, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu filmer aujourd'hui, donc c'est super cool. Sur ce, la vidéo se termine ici et je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez,